Nadia, calmez-vous. Hey, le monde part en couille. Si. Catastrophe, Nebaluba. Je suis pas content. Hey, Prezi, tu n'es pas content de quoi? Du tout. Hey, pourquoi tu es fâché alors? Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Non, Prezi, c'était juste un petit jeune. Il n'y avait personne en face. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Ah bon? C'est vrai. Le problème, c'est quoi alors? J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Prezi, vous comptez changer quoi? Point d'interrogation. Et les places seront chères, je vous dis. Hey! Quoi? Hey, président, vous venez de dire quoi? Et les places seront chères, je vous dis. Et tu veux dire quoi concrètement? Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Que quoi, Prezi? Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous comprenez dans la compréhension? Quoi? Yeah. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Ha ha! Mon frère, tu entends ce que le grand vient de dire là? Franchement, comme vous, c'est la première fois que j'écoute le discours de Samuel Eto'o qu'il a tenu après la victoire des Lions Indomptables pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Mais son discours est très violent, mon ami. Samuel Eto'o n'est pas content. Pourquoi il n'est pas donc content? Voilà, il n'est pas content du jeu qu'il a vu sur le terrain. Mmh, yeah. Si c'est vraiment dans ce cas, vraiment le président a raison, hein. Toi, tu vois ça comment? Et personnellement, moi-même, je suis pas content de ce jeu. Vraiment, c'est malheureux. Oui, à un moment, j'ai même cru que c'était l'équipe C des Lions, hein. Hein, papa? Yeah. Franchement, c'est pitiable. Ok, bon, coach, toi-même, tu dis quoi? C'est aux acteurs de démontrer que les messages que nous avons pu leur transmettre et leur donner tous les ingrédients qui permettent toujours à un match comme celui-ci puisse être prêt. Non, ce n'est pas ce que je demande. Ce que je demande, c'est que comment tu trouves l'équipe des Lions actuellement? Mais je pense que pour l'équilibre du groupe, oui, et pour la bonne marche de tout ce que cette équipe représente aujourd'hui, mm-hmm, donc vraiment, pour le moment, il n'y a rien à signaler. Quoi? Non, attends! Tu dis quoi, coach? Tout a été fait, tout est prêt, et les joueurs sur le plan technique, sur le plan moral et mental, et ils savent le pourquoi. Non, coach, ça va. Tout est prêt, et le président est donc fâché, pourquoi? Il leur a donné confiance. Enfin, qu'est-ce qu'il ne leur a pas donné? Hé, hey, Kombi, il leur a donné quoi? Non, franchement, dites-moi, que ce soit la dernière CAN ou bien avant même la CAN, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les Lions Indomptables? On n'a jamais vu au Cameroun. C'est vrai quand même, hein. Ce monsieur a vraiment mouillé le maillot depuis qu'il est président là-bas à la FECAFOOT. Je vais tout vous donner, même ma vie. Hein? Tu dis quoi, Prezi? Je vais tout vous donner, même ma vie. Samuel Eto'o, même votre vie? Même ma vie. What? Pour que vous soyez dans les meilleures conditions, même ma vie. Hey! C'est pas vrai. Ma soeur, c'est possible ce que le grand neuf dit là? Non, c'est pas possible. Mais ça, moi-même, ça me dépasse. Oh, wow! Oh, wow! Papa Sam, tu dis que tu es prêt à donner ta vie? Même ma vie. Pourquoi? Je suis fier du Cameroun parce que... Parce que quoi? Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Ah bon? Waouh, mon frère, laisse-le continuer, non? Continue. Ok, merci. Président, mais pourquoi tu parlais cette fois-ci avec un ton bizarre comme ça? Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière. Je m'interroge! Moi, personnellement, j'imagine vraiment ce qu'il y a derrière toi, hein. Et ça pourra même te coûter la vie. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Jésus! Ah bon, hein? Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Ouais! Le père, on dit qu'au présent, on attend encore un peu. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Chers patriotes, que Dieu nous garde, hein. S'abonnez-vous et partagez la vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.